Bonjour à tous, c'est Romain. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va jouer un classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Vous voyez les deux maillots du Real Madrid et du FC Barcelone. Nous sommes en première division. Donc là, je vais jouer face à Bernabéu, à Santiago Bernabéu. Au niveau légende, je suis en première division face au FC Barcelone de Messi, de Suarez et de Neymar. Neymar qui, bien sûr, nous sommes dans FIFA 16, hein, donc Neymar est resté au Barça là. Voilà, il est au Barça, il n'est pas encore au PSG. Mais voilà, là on va jouer contre le Barcelone, ça va être très difficile. Et on va tenter. Bon, bah, dans mon équipe, il n'y aura pas Benzema malheureusement, parce qu'avec Benzema, c'est sûr que je vais gagner. Hein, parce que Benzema, je vous conseille Karim Benzema sur FIFA, très très fort. Hein. Pour ceux qui jouent à FIFA 18, prenez Karim Benzema, vous le mettez dans chaque match, vous le mettez dans votre équipe, il va vous faire des différences. C'est Benzégo, tu vois, c'est. C'est pas Girouette, tu vois, c'est pas Olivier Girouette, quoi, c'est Benzégo, ouais. Parce que Benzema, c'est le meilleur joueur français, ouais. Donc, je peux vous faire des différences. Je vous conseille Karim Benzema. Allez, c'est parti pour le Classico. Allez, nous sommes à Santiago Bernabéu, avec Isco, le vrai Madrilène. Nous sommes avec David Alaba, face à Busquets. Rakitic face à l'autre Rakitic, parce que oui, j'ai un Rakitic, j'ai un Catalan, un Barcelonais dans mon équipe. Et comme je joue face au Barcelone, il y a deux Rakitic, en fait, il y a deux Rakitic, il y a deux Piqué, voilà. Kedira, la frappe de Kedira! Oh, le poteau! Oh là là là, l'arrêt de sauvetage de Claudio Bravo, sans faire exprès! Oh, quelle occasion, ça commence déjà très très bien, ça commence déjà très très bien. Attention à Luis Suarez. Luis Suarez, va-t-il passer une bonne soirée? Une bonne soirée, ouais. Mettez un like si vous avez apprécié cette blague-là, parce que... Oula. Oh, attention, Neymar! Oh là là, goal de Neymar! Golasso de Neymar! 14e minute, je vous avais annoncé, Neymar peut être dangereux, il est dangereux. Du gauche, bien sûr, du gauche. Neymar, sur une passe de Luis Suarez, il n'y a personne pour le marquer. Oblak n'a rien pu faire. Et ça fait déjà 1-0 pour le FC Barcelone dans ce classico espagnol. Allez, il avait dit face à Busquets, il s'était fait du marquage de Busquets. Allez, Cavani, Edinson Cavani qui s'avance. Edinson Cavani, il a des solutions. Edinson Cavani, Cavani, la passe de Edinson Cavani. Pour Rakitic, Cavani encore une fois, Cavani, il perd le ballon, Cavani. Allez, Busquets, très très fort à Busquets, ça, très très fort. Le deuxième meilleur milieu de terrain au monde derrière Iniesta. Attention, et là cette fois-ci c'est Gérard Piqué. Ça fait bizarre de voir Gérard Piqué avec le maillot du Real Madrid, hein, parce qu'en général Gérard Piqué il déteste le Real Madrid. Hein, et... Ah là, il y avait faute. Allez, Gérard Piqué. Allez, mon Piqué. Oh non. Allez là, oui. Ouais, c'est bon, j'ai le ballon. Allez, on est face à Daniel Alves. Daniel Alves, et l'Avezzi, c'est bien joué ça. Allez, Rakitic face à Piqué. Ah, Rakitic, la frappe de Rakitic. Goal de Rakitic. Quel but de Rakitic. 33e minute. Le poteau rentre et le but. Goal d'Ivan Rakitic. Et le but magnifique. Déjà, il se défait du marquage de Piqué. Et là, la frappe sans retourner, la frappe, le poteau et le but. Et magnifique but, hein, parce qu'il est dans une position pas facile, hein, de marquer un but comme ça pour Ivan Rakitic. Très très fort croate, hein. Très fort Rakitic. Nous allons revoir déjà. Regardez l'action, il est là, Gérard Piqué, il touche le ballon, voilà, il pousse loin le ballon, mais Rakitic ne lâche rien, il frappe et ça tape le poteau et ça rentre au fond des filets. Ça fait donc un but partout, c'est mérité, hein. Un tir encadré, un but pour le Barça. C'était de Neymar. Et là j'ai mis deux tirs, j'en ai cadré un.
et j'en ai mis un au fond. Donc c'est plutôt bien. Donc nous sommes plutôt dans une bonne phase. Attention Messi, attention. Oh là, attention Messi, attention Messi. Messi, il est peut-être pas sur son pied gauche, mais c'est pas grave. Ouh, Iniesta, heureusement qu'il y avait Gérard Piqué. Attention. Allez. Cavani, ça va sur Edinson Cavani. Il va la mettre en profondeur. Il y avait Mascherano. Mais pourquoi il était là, ce fils de chien de Mascherano? Allez, oui, Pépé, c'est bien ça. Pépé reprend le ballon dans les pieds de Iniesta. Oh non, mais Pépé, mais beaucoup plus puissante la passe là. Elle doit être beaucoup plus puissante la passe. C'est quoi cette passe, Pépé là? C'est bien, je peux comprendre que t'es un vieux Pépé. Hein, quand même mon grand-père qui a la prostate aurait fait une passe beaucoup plus puissante. Hein. Allez. Allez, alors nous allons mettre un petit 4-3-1 comme d'habitude. Nous allons faire rentrer Griezmann, Aubameyang et Olivier Giroud. Olivier Giroud, hein, je fais l'accent anglais, mais bon, c'est très bien que c'est Olivier Giroud. Hein. Non, 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 attendez, attendez. Pas 3-5-2, enfin. Je veux un 4-3-1, voilà. Nous allons mettre Aubameyang. Griezmann à la place de Rakitic, malgré le but, bon, on fait comme d'habitude. Hein. Griezmann, depuis tout à l'heure, j'ai fait un match face à Manchester City, non, face à Borussia Dortmund. Il est rentré en jeu en deuxième mi-temps. À chaque fois qu'il faisait un centre, il y avait tout le temps un joueur qui reprenait de la tête. J'ai marqué deux buts avec Cavani et j'avais mis deux buts avec Cavani sur deux centres de Griezmann. Il était à peine rentré en jeu en deuxième période, 50e minute. Bim, centre de premier centre de Griezmann, arrivé sur la tête de Cavani et but. Donc Cavani, Griezmann très très fort sur les centres. C'est pour ça que je le prends. Parce que face au Barça, on en a bien besoin d'un joueur comme lui. Allez, surtout dans un classico comme ça. Et attention à cette mauvaise passe, Iniesta, le ballon loin devant. Attention, Neymar, eh oui. Allez, la passe en profondeur sur Griezmann pour. Oh, il y a Messi qui gêne Griezmann. Il y avait Messi hein, qui a joué, qui a empêché Griezmann. Allez, là. Là, c'est bien, là, c'est bien. C'est un bon ballon. C'est en profondeur pour Isco. Isco face à Iniesta. Isco face à Iniesta. Isco face à Iniesta. Faut qu'il fasse un centre. Isco face à Iniesta. Isco face à Iniesta. Toujours. Encore Isco. Encore Isco. Allez, Griezmann. Face à Giroud. Ah, c'est difficile d'avancer là. Isco, la frappe de Isco! Oh, quel arrêt! Quel arrêt! Quel arrêt! Quel arrêt! De Claudio Bravo! Sur cette frappe de Isco, c'était dur de passer. Regardez tous les joueurs de Catalan. Là, j'étais face à Jordi Alba. Allez, le corner de Griezmann. Ça peut être décisif ce corner. Oh, Pépé a été gêné, il a pas pu. Ah, et Pépé commence à être vieux là, c'est un vieux Pépé. Hein. Attention à Messi, Daniel Alves qui gêne Lionel Messi. Et super Daniel Alves, super ce qu'il fait Daniel Alves. Mais comme il y a quand même une faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Ah, c'est une touche pour le Barça. J'ai peur que ça se termine en un partout. Allez, oh là, attention à Sergio Roberto parce que là. Vous voulez savoir ce que j'ai eu à Noël? Qu'est-ce que j'ai eu à Noël? Moi, je suis supporter du Real Madrid. Hein. Bah, moi, à Noël, j'ai eu un maillot du Barça. Je supporte le Real Madrid et moi, je reçois un cadeau, le Barcelone. Voilà. Ça qui est.
En plus, le Barça, ils ont battu le Real Madrid 3-0. Je digère pas la défaite du Real Madrid. Et je... bim. Oh non! Et bim, on me donne le maillot du Barça. Bah merci, hein. Je suis supporter du Real Madrid. C'est comme si on me donnait le maillot de l'OM alors que je suis supporter du PSG, ouais. C'est fort. Attention à Luis Suarez face à Pepe. Luis Suarez va-t-il passer une bonne soirée? Bonne soirée. Attention. Ah, Busquets. Attention, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Non! Le poteau! Non! Ouh, lolo, quelle occasion pour le Barça. J'ai cru que ça allait aller au fond. Je sais, j'ai vu Messi, je me suis dit c'est foutu. Et là, heureusement qu'il y avait le défenseur. Une minute d'attentionnel. Giroud perd le ballon. Giroud se fait humilier. Attention Neymar. Attention Suarez. Attention Luis Suarez. Giroud, il va partir. Ah, c'est fini. C'est terminé. Le match nul, but de Khedira, but de Neymar à la 14e minute et but de Rakitic pour mettre le match nul. On arrive à être à mettre à obtenir un point. Nous sommes pas encore relégués. Je l'espère pas. On va, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez les notifications si ce n'est pas fait. Sinon, au revoir.